Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons le remerciement en téléquette. Père Pijole Mutonkole, il remercie le Seigneur pour l'avoir protégé lors d'un accident de circulation. Père Ogichi Banda et sa femme, la sœur Sarah Amsini, remercie le Seigneur pour la naissance d'un fils dans leur foyer. Père Trésor Vumilia, la sœur Ruth Banzi remercie le Seigneur parce que Dieu leur a donné une fille dans leur foyer. Le frère Jean-Paul Banzi Mwamba remercie le Seigneur pour la guérison de sa femme après la prière de l'église. Sœur Liliane Mboui, elle remercie le Seigneur pour avoir protégé son mari pendant son séjour à Dilolo. Requête. Père John Zembela, elle demande la prière des saints pour que Dieu lui donne du travail. Père Jackie Bilonda sollicite la prière des saints en faveur de sa sœur qui souffre de diabète, malaria, fièvre typhoïde et de l'anémie. Père Chansa Mukangwa, elle a besoin de la prière des saints pour que Dieu lui donne la réussite aux études et qui donne aussi du travail à son grand frère. Sœur Christine Boudika, demande la prière pour que Dieu lui donne des moyens afin d'acheter un ordinateur à son fils. Il est en train de manquer les cours par manque d'ordinateur. C'est là que la sœur demande la prière pour que Dieu lui donne des moyens. Nous vous invitons à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous vous invitons à vous le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Verset 1 à 4. On peut commencer au chapitre 15, verset 33, puis la suite. Chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Là, on est au chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. On nous entend un court cantique. Oui, tous ensemble, nous allons prier le Seigneur.
tuje pamoja. Notre Père céleste et Dieu tout-puissant. Baba yetu aliye juu mbinguni na Mungu awezo yote. Nous rendons grâce, notre Père, pour tous tes bienfaits. Baba yetu tunakushukuru juu ya vizuri vyako vyote kwetu. Voilà, Père, que nous venons de lire et les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Na toka kusoma matendo makubwa uliyofanyisha watoto wako. Sachant que tu as répondu à nos prières. Tunajua kwamba ujibu kwa mahitaji yetu. Étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà que nous venons de nouveau élever nos voix vers toi. Et à la même occasion, nous avons prié pour le besoin de tes enfants. Nous avons l'assurance que tu répondras à nos problèmes, Père. Nous avons demandé en ton nom. Puisses-tu assister notre frère qui va nous parler de ta part? Et bénis aussi chaque oreille qui va entendre ta parole. Pensons à cet instant à notre bien-aimé frère Franck. Nous prions pour l'Église universelle. Bénis Israël ta nation. Bénis aussi notre pays le Congo. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces semaines. Car nous te l'avons demandé. Ainsi. C'est ton nom précieux. Notre Seigneur. La Bwana wetu, et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Nous avons parmi nous notre bien-aimé frère Dani Salé. Il peut se lever. Vous pouvez enlever votre masque. Et le berger de l'église de Kindu. Et parmi nous, nous pouvons le saluer en agitant la main. Soyez les bienvenus parmi nous. Maintenant, nous allons louer le Seigneur.
Oh, 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 oh
C'est notre bien-aimé frère Gaspard Malela. Il est berger de l'église de Mpande. Il va nous apporter la parole de Dieu aujourd'hui mercredi. Demain jeudi. Et dimanche. L'invitons déjà à la chaire. Nina salimu makutano yote mujina la Yesu. Je salue toute l'église au nom de Jésus. Bwana Mungu amibariki sana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ninapikia Mungu asante. Je remercie Dieu. Ba kuweza kuwezesha yangu. D'avoir permis. Toka pale muji pande na ya katika muji lu. De m'avoir gardé depuis Mpande jusqu'ici à Lubumbashi. Il m'a gardé sur le chemin. Ainsi que le nom de Christ soit loué. Je remercie le berger, le frère Kazadi. Est-ce qu'il m'a accordé de me tenir devant vous afin de prêcher? Mungu amubariki sana. Et Dieu le bénisse richement. Na Mungu abariki watumishi bote bale kunatuna. Dieu bénisse également ses collaborateurs. Na Mungu abariki kanisa yote pia. Et qu'il bénisse toute l'église. Na tunalomba usikilivu mwema kwa kila ndugu na dada. Nous vous souhaitons un bon entendement. Na kwa wale wote wanaweza kutufuata pali popote ulimwengu. Nous le souhaitons également à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je ne vous ai rien apporté de nouveau. Je viens avec peu de paroles. Pour ajouter à ce que vous avez déjà entendu de la part d'autres serviteurs de Dieu. Ça sera juste une remémoration. Juste un rappel. Afin que l'on ne soit pas distrait dans ce voyage. Et Dieu vous bénisse richement. L'église de Mpande vous salue au nom de Jésus Christ. Pour honorer la parole de Dieu, j'invite toute l'église à vous lever pour que nous lisions notre Bible. Nous lisons dans le livre de l'apôtre Jean. Jean chapitre 13 verset 4. Na tunaweza kushimamia mukumi sita. Jusqu'au 10e verset. Tunaweza kusoma kipande juu biko birefu. Je lirai juste une partie. Jean chapitre 13. Yohane sura ya 13 verset 4. Waine. Utasoma katika jina la Yesu Kristo. Je vais lire au nom de Jésus Christ. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Aka la muka kumeza katosha vazilake na kachukua nguo yenye akajifunga. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Kisha kaweka maji mubeseni. Il se mit à laver les pieds des disciples. Akaanza kuosha vikanyangio ya mitume. Et à l'essuyer avec le linge dont il était saint. Akaba pangusha na ile kinguo alikuwa mwenye kujifunga. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi Seigneur, tu me laves les pieds? Akamkaribia Simon Petro na huyu akamjibu: eh we Bwana unioshe miguu? Jésus lui répondit: ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, Yesu mais tu le comprendras bientôt. Yesu akamwambia hiki kunafanya au ielewe hapa lakini utaielewa bado kidogo. Pierre lui dit: non jamais tu me laveras les pieds. Mais toi kamujibu wewe huwezi kuniosha miguu. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas tu n'auras point de part avec moi. Yesu kamujibu kama sikuoshi hautashiriki kamwe pamoja nami. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds mais encore les mains et la tête. Simon akamujibu usinioshe basi mikono tu unioshe vile vile mikono. Jésus lui dit:
Celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Yesu akamujibu mwenye kuisha kuoshwa anahitaji tu kuosha miguu juu akwe safi kabisa. Eh, vous êtes pur, mais non pas tous. Na mwe mko safi lakini haina mwe bote. Car il reconnaissait celui qui l'est livré, c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous. Alijua kama mwenye alipasha kumtoa choko maana alibambia kusema mwe bote amuna safi. Après que lui ait lavé les pieds et que lui ait pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Isha kuwaosha miguu na kuchukua mavazi yake akaikaa kumeza na kumwambia mnaelewa yeye natoka kumifanyia. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Unanita bwana mwalimu na mnasema kweli kwa sababu jo kile niko. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amambasi mimi bwana na mokozi wenu na miosha miguu, munapasha vile vile kuoshana wamoja na wengine. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Kwa maana ni mfano na mipatia, juu na mwe mupate kuoshana vile na miosha. Naomba Mungu Mwenyezi Mungu Baba yetu. Éternel notre Dieu. Katika jina la Yesu Kristo mokozi wetu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasema asante sana. Nous te remercions grandement. Asante e Bwana kwa kutubalula katikati ya bantu bashima. Est-ce que tu nous comptes parmi le vivant? Bengine leo bane babalula ni ba maremu. D'autres sont morts. Nous ne sommes pas mieux que les autres, ceux qui sont morts, c'est juste que tu nous as accordé ta grâce. Et nous bénissons ton nom pour cela. Nous rapprochons de toi ce soir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, moutoua saishi comme katetou. Mais kwa neno yote inayotoka katika kinywa yako. Et de toute parole sortant de ta bouche. Jo ile tunafuata mufalme mangaribi ya leo. Nous sommes venus écouter la parole ce soir. Takasa lulimi yangu. Purifie ma langue. Takasa midomo yangu. Purifie mes lèvres. Utairi mashikio ya banduku na badada. Circoncis les oreilles de frères et de sœurs. Bwana ubapatie usikilivu mwema. Leur accordant un bon entendement. Tunza bagonjwa katikati yetu. Guéris le malade parmi nous. Ulisema kwa mapiko yako tunapata salama. Tu nous donnes la paix, la guérison par tes meurtrissures. Nous sommes guéris par tes meurtrissures. Asante kwa maneno yako. Merci pour tes paroles. Bariki usomi ya neno. Bénis sa lecture. Manze nasi Bwana. Commence avec nous, Seigneur, et termine aussi avec nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous. Notre thème de ce jour s'intitule « Les images de Christ ». Wakati tunasoma Biblia, lorsque nous lisons la Bible, tufasilia mzuri. Elle nous explique clairement. Ni wakati Yesu alikuwa anafanya Pasaka yake. Elle nous donne le récit de Christ pendant qu'il célébrait la Pâque. Je vois pas les Bibles natuonesha kusema. La Bible dit. Akabeba mavazi yake akafunga kifunoni mwake. Il ôta ses vêtements et qu'il s'est saigné d'un linge. Akaanza kunawisha miguu ya wanafunzi. Et se mit à laver le pied de ses disciples. Mungu wa kuumba mbingu na dunia. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Juu ya mapendo yako na mie. À cause de son amour à notre égard. Alijifanya kuja mtu. S'est fait homme. Juu ya kutuokoa. Pour nous sauver, toi et moi. Amen. Quelle humilité. Il est attaché, frère, à toi. Dont nous sommes incapables. Mais mon Dieu Christ, frère. Mais le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu ici-bas. Non point pour être servi. Mais pour nous servir. Amen. Amen. Nibia kweri frère. Est-ce la vérité? Mapendo mukubwa. Le plus grand amour. Jean et konasema. C'est ce que j'en dis. Mapendo ya Mungu. L'amour de Dieu. Inashindi ya mapendo yetu shibantu frère. Est plus grand que notre amour. Amen. Akanza kubana wisha mikulu. Jésus se mit alors laver les pieds. Pierre vila kwa mtu wa kusema sema sana. Comme Pierre était loquace. Anasema Bwana. Se mit à lui dire Seigneur. Auweze kuosha miguu yangu. Tu ne peux pas me laver le pied. Tistahiri we Yesu Kristo kuniosha miguu. J'en suis indigne. Ukuona kwake. Dans sa façon de voir à lui Pierre. Il n'avait pas tort. Ariyua kile Yesu alikuya. Il savait ce qu'était Jésus.
Hier savait. Et Jésus était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Anasema Bwana utaweza. Il lui dit donc, Seigneur, tu ne peux pas me laver le pied. Yesu anamwambia sema Pierre. Et Seigneur lui dit, Pierre, mambo niko nafanya hapa. Ce que j'accomplis ici, hautaishikia hapa. Tu ne comprends pas maintenant. Hautaelewa. Tu ne peux pas le comprendre maintenant. Mais tu le comprendras que par la suite. Amen. Pierre anasema. Pierre lui dit. Bon, s'il en est ainsi, ne me lave pas seulement le pied. Je veux que tu me laves le main et la tête aussi. Jésus lui répondit, c'est lui qui est déjà lavé. N'a plus besoin qu'on lave tout le corps. Et vous êtes pur. Mais non pas tous. L'un de vous n'est pas pur. Amen. Yesu frère. Jésus Christ. Aliyua ule alikuwa katikati yabo. Avait identifié celui qui était impur parmi eux. Amen. Yesu anayua batoto yake babia kweli na batoto yake babongo. Jésus connaît ses vrais enfants, ses vrais fils. Et le faux, il le connaît aussi parmi nous. Anatuyua shebote tu kwa hapa. Il nous connaît tous ici. Ata unatoka hapa. Même si tu quittes ici pour aller à Kasumbalesa, que tu vas en Europe, mambo tu fais quelque chose là-bas. Mungu wetu, notre Dieu, ana Mungu wa karibu, il n'est pas seulement ni de Mungu près, wa mbari, il est partout. Tena ni Mungu wa karibu. Il est omniprésent. Mufuchama, frère. Tu ne peux pas te cacher de lui. Yeko naona mambo yote. Parce qu'il voit tout. Il avait déjà reconnu Judas. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il nous connaît tous ici, individuellement. Nous sommes tous à découvert devant lui. Alléluia. Après les avoir lavé le pied, il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites bien parce que c'est ce que je suis. Après tu leur y lavais les pieds et tu les pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, kama basi miye bwana na mokozi mwa le seigneur et le maître, mi bwana na mwalimu wenu na miosha miguu. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Wewe na mwe mnapasha kuosha na miguu wa moja na wengine. Car je vous ai donné un exemple, kwa maana ni mfano na mipatia, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Tuna mwe mwanze kuoshana hivi na miosha. Si ya mfano wetu, notre exemple, ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre modèle, c'est celui que nous devons ressembler. Nous ne devons ressembler à quelqu'un d'autre. Nous ne devons que le ressembler lui. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, notre problème ici, il n'est pas question de venir fréquenter l'église. C'est bien de venir. On prêche la parole. Vous la recevez. Vous la mettez en pratique. Mais l'important, l'important, c'est de ressembler à Christ, être son image, le refléter. Alléluia. Mes frères serviteurs de Dieu, il ne suffit pas seulement de prêcher, moins encore d'être prédicateur, mais le plus important, c'est d'être l'image de Christ. C'est ce que Paul dit, frère, pour ma part, je ne puis me glorifier. Qu'est-ce que je prêche? Je ne peux pas m'en glorifier. Même si je suis riche, que je sois riche ou pauvre, que je sois démuni, il dit pour moi,
c'est que je suis mort au péché. Et le monde est mort pour moi. Amen. Le monde doit mourir en nous. Vous pouvez marcher dans le monde comme n'y étant pas. Amen. Parce que nous sommes un peuple à part. Et c'est la vérité. Dieu nous a vraiment fait grâce. S'il nous a envoyé ses paroles dans ce monde actuel, nous n'avions pas paraître. Les églises sont tombées en défaillance parce qu'elles sont pleines de mondanité. C'est la vérité. Mais à cause de cela, à cause de cette parole, j'ai toujours vanté Dieu disant: merci Seigneur. Est-ce que tu nous envoies les messages? Amen. C'est pourquoi Dieu, dans cet âge, il a voulu qu'il y ait une distinction, nous distinguer des autres. Amen. C'est pourquoi il nous envoie ce message puissant. Ujumbe ya uwezo mkubwa. Selon Malachi 4. C'est pour nous ramener. On nous ramène à la vraie adoration. Que Dieu nous vienne en aide. Le monde est corrompu. Les prédications dans les autres églises ont changé. Aujourd'hui, ils prêchent la prospérité pour que les gens prospèrent. Nous, on ne peut pas trafiquer la parole. Nous ne vous prêchons que l'évangile pour les saluts des âmes. Amen. Que je sois dépourvu, que je marche à pied, que je manque de vêtements, que je change. Cela importe peu. Parce que Paul dit, lisons-le. Galates chapitre 6 verset 14. Galatia sura sita musaro wa 14. Galates 6 14. Sura sita musaro wa 14. Paul dit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. L'espoir de l'église n'est pas avoir des richesses. Ce qui est quelque chose, c'est la croix pour de notre Seigneur Jésus Christ. Ce qui est vital, c'est de là que nous avons été crucifiés au monde. Et le monde l'a été pour nous. Je vous dis ceci, mes frères. Ce soir, parmi nous, il y a des enfants de Dieu, des véritables. C'est vrai. Ceux qui craignent véritablement Dieu, quels que soient les difficultés qu'ils traversent, il y en a, ils tiennent dans la parole ici. Que Dieu nous vienne en aide. Le monde est mort, il est crucifié pour nous. Le monde mondain sont morts pour nous. Madame dit, la mondanité maintenant dans l'église. Il dit, la mondanité c'est un péché. Kidunia ni zambi. Amen. Est-ce la vérité? Allez dans les églises, vous allez voir. Il poursuit. Parce que nous n'avons très peu de temps. Verset suivant. Verset 15. Ah, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature.
Le reste n'est que vanité. Le plus important, c'est que toi et moi soyons de nouvelles créatures. La nouvelle naissance. Ouzali wa upia. Si un homme n'est pas encore né de nouveau, c'est un homme animal. Il peut coucher avec sa propre mère juste pour avoir l'argent. Il peut coucher avec sa propre fille pour être riche. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi nouvelle naissance. C'est vital. Amen. Péché. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous allez commettre des dégâts. Oui, message, frère. Dans ces messages, il y avait des gens que tu y espérais vraiment. Il y avait des gens sur qui nous comptions par le passé. Ce sont des prédicateurs. Et nous disions que c'était de vrai. Avec des dons. Par quoi la Mazawadi? Avec des grands dons. Par quoi la Mazawadi Mukubwa? Mais les hauts frères. Mais aujourd'hui, puisqu'ils n'étaient pas nés de nouveau, malades, ils sont tombés dans les péchés. Ils sont dans le bourbier. Alléluia. C'est pourquoi mes frères prédicateurs, l'important c'est pas le péché. Ce qui compte, soyez d'abord nés de nouveau prédicateurs. Menez d'abord une vie de Dieu avant de prêcher. Paul dit, ce que je veux, c'est naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas conduire quelqu'un dans la nouvelle naissance si tu ne l'es pas encore. L'on ne donne que ce qu'on a. C'est la vérité. Et quoi elle dit? Oui, message, frère. Oui, Ujumbe, dans ce message. Il a fallu qu'il y ait des dégâts. Pour que les balles tombent et que l'on reste avec de vrais serviteurs de Dieu. Ils tiennent sur la parole de Dieu qui la soutient. Même s'ils mangent un pain sec, sans eau, il dort sur une natte. Mais ce qui compte pour lui, c'est qu'il prêche la vérité. Amen. Je vis les frères. Mambo mon frère. Sana. Et c'est merveilleux. Ce qui est important, c'est de naître de nouveau. C'est être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Il ne suffit pas de venir fréquenter l'église. Je vais vous lire une chose. Les images de Christ. Dans la prédication de Frère Branham, ma pitié à Christ, paragraphe 28, il dit ceci. Vous devez savoir ce que vous faites. On n'a pas chaque jour bilé mon affaire. Vous devez avoir foi à ce que vous faites. On n'a pas chaque mini mon bilé mon affaire. Par conséquence, bien souvent on entend cette expression. Madame Mingi, tu n'as pas qu'à nasikia et musemo. Qu'est-ce qu'un chrétien? Christo ni nani? Certaines limites, c'est là d'aller à l'église. Mais nous ensemble, Christo nous l'a indiqué au Canisa. D'aucuns diront qu'un chrétien c'est un membre de l'église. Et il n'est pas nécessairement Christo ni mon ami au Canisa. Quelqu'un qui s'affilie à l'église. Pour l'année du Hunga au Canisa. Je crois que tout chrétien devrait le faire. Et quoi, l'ibi bintu biote mon Christo ou quoi il a pas savé faire ni à quoi il. Je ne crois pas que c'est le christianisme. Lakini ni misi amini kusema njobi unamufanya kwa mukristo. Naamini. C'est ce qu'un chrétien fait après être devenu chrétien. Ni kile ni matendo ya mukristo kisha ye kuamini. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il fait, il est un chrétien. Aina tu aningia mukanisa na kwa kujiunga njo kusema na kwa mukristo. D'autres disent, c'est le fait d'aller à l'église qui fait de nous chrétiens. C'est le fait de chanter dans la chorale. C'est prêcher. Tout cela c'est bien. Vous pouvez chanter comme un ange. Et vivre comme un démon. C'est la vérité. Une quoi. C'est plein de dons dans les églises, dans les autres églises, des talents musicaux. Mais ils ne seront pas enlevés pour autant.
Il faut la nouvelle naissance. Banapasha bazali upya kwanza. Vous allez quoi mara ya pili? Nous devons naître de nouveau. Endelea. Il continue. D'autres diront. Non, c'est le fait d'aller à l'église. Et de servir une déclaration de credo. Na wanze kutumikia misemo moja hivi mafundisho moja makanisa ma liturgie yabo. D'autres passent par des liturgies des enseignements. Loyal et loyal envers les enseignements qu'apporte son église. Na kwa kusimamia mafundisho ya kanisa yake. Il y en a d'autres qui diront qu'elle portait un petit quelque chose sur eux. Ikuvala kosaka musalaba na tule tubitu bingine. Kite kuwa. Ka musalaba kamwa kadoko. Ou autre chose. Ao kubeba tubintu bingine. Que c'est ça le signe du chrétien. Masana mtu wa Maria kusema joy na fana baba kwa Kristo. Bwana Mungu ambariki. Que le Seigneur te bénisse. D'autres disent que tu portes une petite croix, un crucifix, ça fait de toi un chrétien. Et tu marches avec les crucifix. Je vous dis ceci aujourd'hui. Les devins portent aussi. Amen. Marche avec un crucifix. D'autres églises disent pour voir la chapelée. Porter un chapelet. Ou qu'on a vigna chapelet. En train de le conduire. Ou comme Christ. Et la feu de toi un chrétien. Pengine ni kuvuala mamizabi. D'autres, ce sont des soutanes. Aina mambo ya kusema na voala muzabi njoro kwa mukristo apana. Cela ne fait pas de toi un chrétien, la soutane. Amen. Kuya mukristo wa bia kweli. Être véritablement un chrétien. Ni kuya mfano wa Yesu Kristo. C'est de ressembler à Christ, le refléter. C'est avoir la nouvelle naissance. Ni kuzaliwa mara ya pili. Et le baptême du Saint-Esprit. Na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ai abote beko na muita Yesu Bwana Bwana bataingia mu mbingu. Ce n'est pas tous ceux qui appellent Jésus Seigneur qui entreront. Et Matthieu sura 7 makumi mbili na ine. Matthieu sura 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. On ne peut pas seulement s'attaquer aux dénominations. Nous devons nous attaquer à nous aussi. Tu peux aussi l'appeler Seigneur, Seigneur. Nous pouvons l'appeler ainsi. Mais mener une mauvaise vie. Le pasteur Kazadi peut dire que tu es un bon frère. Frère Eugène peut également le dire. Mais c'est lui qui nous connaît mieux, qui nous sauve. C'est notre Seigneur Jésus Christ. Vous pouvez tromper les pasteurs. Vous pouvez tromper les diacres. Mais jamais vous ne tromperez Dieu. C'est vrai. C'est pourquoi dans les Dieu, nous devons être sérieux. L'on ne s'amuse pas dans les choses de Dieu. On ne s'amuse pas. Mambo ya kusema chenjo tunaimbaka. Le fait de dire, c'est nous qui chantons. Même si tu chantes comme un ange, mon frère. Nous regardons à ta vie. Votre vie parle beaucoup. Maisha yako, yuko na sema sana, kupita bila yuko na sema. Est-ce la vérité? Maisha yetu yuko na sema sana. Nos vies parlent plus. Kupita na maubiri ile niko na ubiri hapa. Nos vies parlent plus que ce que nous prêchons. Je puis prêcher aujourd'hui et détruire ma prédication demain par ma mauvaise vie. Les œuvres parlent plus que ce que nous disons. Amen. Je vais vous lire une autre chose.
Nous allons lire un peu. Branham dit ceci dans l'une de ses prédications. Où l'influence de 1963. Paul 63, numéro 84. Numéro 84. Au paragraphe 19. 9e paragraphe. Et nous ne savons donc vraiment pas ce que nous faisons. Non, toujours quoi qui est trop en influence qu'exerce ce que nous faisons sur les autres. A tout ou la Bible dit, nous sommes des lettres écrites, lues de tous les hommes. C'est-à-dire que votre vie parle très fort au public, au point que si votre témoignage est contraire à votre vie. Maisha yetu frère inasemaka sana. Nos vies parlent, parle plus fort. Maisha dada. Nos vies, la vie que nous menons. Bwana anajua kile huko. Ton mari te connaît bien, il connaît ta vie. Anajua kile huko. Les enfants te connaissent. Bibi anajua kile huko. La femme te connaît mon frère. Unaweza kutulanda shiye. Tu peux nous tromper. Tunaomba tunasema. Nous pouvons prier et dire, Seigneur aide-le, c'est un bon frère. Mujanja, frère. Alors que tu es malicieux, tu peux être rusé devant ta femme, tu peux être rusé devant ta femme, et jamais devant Dieu. Ça c'est vrai. Maisha yetu frère. Nos vies, à dans mon quartier. Même dans le quartier. À dans où qu'on a domestique frère. Même si tu as un domestique, si Dieu vous a béni et que vous avez des domestiques, des travailleurs, normal, frère. Il y a Kawaida qui vous sourit, c'est bien. Mais, quand Dieu te donne, te bénit ainsi, c'est pas pour que tu méprises les autres, c'est juste que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Respecte ton travailleur. Tu es fils ou fille de Dieu. Adawe frère. Que ce soit toi frère. Toi aussi frère ou ceux qui travaillent chez ton frère. Tu dois le respecter et travailler comme craignant Dieu. Et ta vie pourra peut-être influencer ton patron. Ton témoignage pourra influencer ton entourage. En Israël, il y avait une fille. Elle avait été prise en déportation vers la Syrie. Et elle vivait chez Naaman, le général. Cette jeune fille vivait correctement. Et sa vie témoignait de son Dieu d'Israël. Sa vie témoignait de la véracité du Dieu d'Israël. Et est-ce que toutes les nations n'avaient pas de Dieu? S'il est un grand médecin, il est en Israël, c'est le Dieu d'Israël. Elle parlait à son patron Naaman, qui était le preuveur. Elle lui disait, si Naaman peut aller en Israël, il sera guéri de sa lèpre. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle avait un bon témoignage. Ton langage peut influencer les gens à croire. Ton langage, mon frère, peut influencer d'autres jeunes. Mais si tu as un langage vulgaire, et les gens auront le dégoût de venir écouter la parole. Ils diront, mais ils se prétendent avoir la vérité. Ils nous prennent pour des prétentieux. Ils disent que nous sommes dans la vérité. Ils ne mentent pas. Ils ne nous calomnient pas. Nous ne sommes pas la vérité. Mais nous avons la vérité. Nous conduisons la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
De vrai, frère. Na dunia isha yua. Asema mwi wakati mwi kizani. Le monde le sait fort bien. Bana yua asema kama kuko batoto ya Mungu. Le monde sait qu'il y a des enfants de Dieu dans cet âge. C'est quelque part. Beko fazi mwa fulani. Bantu bana yua ka frère. Les gens le savent. Amen. Jo vile frère. Bible kona sema. La Bible c'est dit. C'est Jean chapitre 1 Jean. Yohane wa kwanza. Chapitre 5 verset 18. Sura ya 5 mstari 18. Jean, 1 Jean chapitre 5 verset 18. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Banayua sema tuko na vérité. Ils savent que nous avons la vérité. Chie atuna ba vérité, atuna vérité. Nous ne sommes pas cette vérité. La vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kweli ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ah. Anasema hivi. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Mambo ingine tunamulatia Shetani frère. Nous les calomnions parfois, nous calomnions les diables parfois. Frère Shetani. Est-ce lui qui a ouvert ton pantalon? Tu commets l'adultère, c'est toi qui as sorti la ceinture et ôté ton pantalon. Nous arrêtons de calomnier le diable. C'est lui qui est né de Dieu. Il ne pêche point. Il se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Nous devons nous garder nous-mêmes, ma soeur, mon frère. Celui qui est né de Dieu s'égare. Mwenye kuzaliwa na Mungu kuna jichunga. Ne le touche pas. Na Shetani asimuguse. Awezi kumgusa. Ni kweli. Tunapaswa kujichunga frère. Nous devons nous garder frère. Pale Mungu atanisaidia. Lorsque Dieu m'aidera. Oh, unawaza sema utaingia mkilari ya ndumba Mungu njoo kuya kulamusha hebo. Tu penses que tu seras dans la patrie de la prostituée de Dieu te la... Tu dois t'en préserver toi-même. C'est vrai, frère. Il nous revient de nous en préserver. Ni quoi l'induku, ni quoi l'idada. Arrêtez de nous mentir. Oh, j'ai. Pana, frère. J'étais surprise. Apana, ma soeur. Dans l'adultère, apana, apana. Écoutez, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Ikochini ya utawala wa Shetani. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux. Mais le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais dans ce même monde où le diable règne, là se trouvent aussi les enfants des dieux. Mais ils se gardent, néanmoins. Alléluia. Nous sommes dans le monde où le diable règne. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Il vient à sema tout comme si mamizi ba mungu. Dans un pays étranger, nous y sommes. Mais tout qu'on a représenté le royaume de Dieu. Un ambassadeur du royaume de Dieu. Royaume Israël. Il est où falme yuwezi kuanguka. Amen. Nous sommes dans ce monde où le diable règne. Mais tout en nous gardant, nous préservant. Selon la Bible, il te revient de conserver ta propre vie. Et nous sommes des ambassadeurs. Hein? Amen. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dans son Fils. Le Seigneur Jésus Christ. Nous ne sommes pas la vérité. Mais nous sommes dans le véritable. C'est vrai. Nous sommes dans le véritable. C'est vrai. Kweli. Nous sommes dans le véritable. Tu condamnes à ule wa kweli. Il nous a donné l'intelligence. Dieu nous donne de l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus Christ. Ni mwana wake Yesu Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yeye ndio Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Ah.
Amen. Amen. Atatunia inireconnaître. Même si le monde ne me reconnaît pas. Atawangu président. Même si mon président. Chilombo cheniyu. Chilombo ne me reconnaît pas. Mais Dieu me connaît bien. Mungu ananijua mzuri sana. Le président ne saura pas nous reconnaître tous parce qu'il n'a pas l'intelligence de Dieu. Il est humain avec une intelligence limitée que Dieu lui a donné pour connaître ses peuples. Mais c'est Dieu qui est suffisamment intelligent, qui est sage, qui nous connaît tous ici. Nous sommes dans le véritable. Tout condamné, Yahweh wa kweli. Dans son fils, le Seigneur Jésus. Dani, Yamwana wa Yesu Christo. C'est pourquoi nous avons la vérité. Je commande à lâcher tout qu'on a quoi. Et pourquoi la Bible dit quelque part? Bible n'a pas ma phrase. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quoi l'état mi fungua? Si vous avez la vérité, il faut. Une fois pris connaissance de la vérité, vous êtes libéré. La vérité vous affranchira. Quoi l'état tué kauru? Oui, c'est vrai. Quoi l'état? Ni qu'on a tembe ya uru. Je marche librement. Amen. Amen. Comme un ambassadeur. Samusimamizi. Mudunia inye ya benye ya shetani. Dans le monde où le diable domine. Mais chez tout qu'on a représenté royaume inébranlable. Nous y représentons un royaume inébranlable. Naï les frères. Nous n'avons pas chaque fois reconnaissant. Et nous devons être reconnaissants de nous cela. Nous n'avons pas chaque mushukuru mungu frère. Nous devons remercier Dieu. Parce qu'il nous a élus, il nous a adoptés. Faisant de nous des héritiers d'un royaume inébranlable. Et Dieu vous bénisse richement. Oui, frère. Yonduku. Écoutez ce que dit frère. Je vais parler au sujet de la vie. Voici ce qu'il dit. Votre vie témoigne. Votre vie témoigne. C'est-à-dire votre vie parle très fort au public. Maïsha. Au point que si votre témoignage est contraire à votre vie. Maisha yako ikona sema wazi mbele ya batu. Il n'a aucun effet. C'est ce que vous êtes au dedans de vous que les gens lisent. Ushuda yako kila wiko njoo kile watu wako naona na kile unasema sana kupita vile unasema. Ce n'est pas tellement ce que vous dites. Aina bila kunasema. Ce n'est pas ce que vous dites. Inapita aina bila kunasema. Lakini ni kile kunaishi kile huko. Kile unasema niko mkristo. Vous dites que vous êtes chrétien. Et tout qu'on observe ma tête ya. Nous on regarde votre vie. Vile ni kondani mwako. Yo bile. Ce n'est pas tellement ce que vous dites. Aina bila kunasema. Mais ce que vous êtes. Vous voyez, Ona. Vous pouvez coller quelque chose à quelqu'un et dire ça, c'est ça. C'est ainsi de suite. Et ainsi de suite plutôt. Mais votre vie est différente de ce qu'ils disent. Les témoignages de votre vie parlent plus fort que les témoignages que quelqu'un pourrait donner à votre sujet. Ainsi, gardez tout simplement cela à l'esprit. Que nous exerçons une influence. Et que la vie que nous menons prouve ce qu'il y a au dedans de nous. Vous ne pouvez pas changer cela. Ça donne un reflet. Au dehors, chaque personne reflète ce qu'elle a à l'intérieur. Il a montré qu'on a onécha loi inje qui le condamne yake. Nous reflétons à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Ton langage reflète ce que tu es. Tu es outrageux à l'égard de tes enfants. Outrageuse. Regarde-moi, sa grosse tête, comme ses oncles. Quand nous on entend ça, on dit Dieu ne l'a pas encore aidé. Au paragraphe 20, 20e paragraphe, peut-être tu n'as pas eu à coucher maman.
pourrais peut-être m'arrêter et par là. Et si nous portons les témoignages comme quoi nous sommes des chrétiens, je pense que c'est l'une des choses les plus solennelles. Un homme ou une femme, qu'un garçon ou une fille pourrait faire. Il est qui jana binti anaweza kufanya. Pourrait trois points de suspension. Lorsqu'il porte le nom de Christ. Wakati anabeba jina ya Kristo. Wakati unabeba jina ya Yesu. Comme quoi? Lorsque vous portez le nom de Christ. Il va être un représentant de Christ. Na atakuwa na muonesha Kristo ule mtu mwenye kubeba jina ya Kristo. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites. Unapasha kuchunguza tendo hilo kunatenda. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Dukuko mtu mwenye kuna kuona. Et à ce propos. Na kuhusu ile. Ça reflète ce que Dieu a fait pour vous à l'intérieur. Na itaonesha kile Mungu alifanya ndani yako. Amen. Banduku na badada yangu. Mes frères, mes sœurs. Oui, toi mon Christ. Être appelé chrétien suppose une grande responsabilité. Nous sommes des représentants. Pour terminer, je vais vous lire quelque part. C'est dans Corinthiens. La Bible dit ceci. Nous sommes des ambassadeurs. Maliza. Terminé. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mamute yuko katika Kristo anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Kwa zamani zimepita. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ah, vitu vyote vinakuwa vipya. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ réconcilier le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leur offense. Kwa maana Mungu alikuwa katika Kristo akipatanisha dunia naye bila kuhesabia makosa ya watu. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Na aliweka ndani yetu maneno ya upatanisho. De la réconciliation plutôt. Maneno ya upatanisho. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. On a fait une vache case, y'a wasimamizi wa Kristo. Comme si Dieu exhorte par nous. Kama vile Mungu akisemea akionya watu kupitia sisi. Mungu yuko exhorte kupitia ndani ya watumishi ya Mungu. Dieu exhorte par le serviteur de Dieu, le prédicateur. Ambassadeur. Ils sont ambassadeurs. Nata mwebenye bote moko paka ambassadeur. Nous le sommes tous également. Muinchi ngine. Dans un pays étranger. On a représenté le royaume ya Mungu. Représentant le royaume de Dieu. Ici où les vannes, les fils devaient. Il y a quelque part. Les filles de Dieu s'habillent correctement pour leur vie. Pour faire moins parler au Camille Fouco. C'est pourquoi on ne vit pas comme le monde parce que nous avons notre royaume. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate umbariki. La dernière écriture qu'il a lue, andiko wa mwisho natoka kusoma. 2 Corinthiens chapitre 5 rabadisa. Wa Korinto wa pili sura ya 5. 2 Corinthiens chapitre 5, vous avez les versets. Wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Nous pouvons nous lever. Tunaweza kusimama. Et prions tous ensemble. Na wote pamoja tutaomba.
Bwana Mungu aweze yote. Créateur du ciel et de la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Imangaribi tunakupigia asante. Parce que tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Tunasema nasi sasa vile baba kunazungumza na watoto yake. Tu nous as prêché, tu nous as montré Seigneur pour que notre vie puisse te ressembler. Utonesha kwamba maisha yetu napasha kufanana. Seigneur, nous sommes tes sujets, fais-nous de ce que tu veux. Tokobako pate kufanya nasi vile unataka. Seule ta parole a la puissance de nous faire à l'image de Jésus-Christ. Ipaka neno lako jona hizo kutuchora kupisha Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pour ta présence ce soir. Kwa uwepo wako emangaribi. Aide-nous Seigneur. Upate kutusaidia Bwana. Parce que cette parole a la puissance de nous transformer. Inero kuna uwezo ya kutubadilisha. Bénis chaque frère et bénis chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Et que toutes les bénédictions qui accompagnent ta parole ce soir. Baraka yote ile sindikiza neno lako emangaribi. Que ça puisse aussi nous accompagner. Ipate pia tena kutusindikiza. Par la parole qui est prêchée ce soir. Kupitia neno na ubiro emangaribi. Que tout celui qui est venu malade rentre guéri. Wote la kwa mgonjwa apate kuota mwenye kupona. Et que celui qui est venu avec les problèmes. Na ulao kwa na matatizo. Rentre avec des solution. Merci Père. Comme tu nous as amenés en ces lieux, puisse nous protéger sur les chemins de retour. Et que si tu permets encore la journée de demain, que nous puissions encore venir t'adorer, écouter ta parole, nous allons encore te remercier. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. C'est un homme, il a diminué. Sois avec lui dans la chambre de méditation pour que la journée de demain qu'il puisse encore parler de ta part. Bénis les anciens de cette église, bénis les diacres, bénis les pasteurs, bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Merci Père, nous croyons que tu as entendu notre prière parce que nous te l'avons demandé au nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Nous avons des fiancés à présenter. Frère Isaac Chikala Kumba. Isaac Chikala Kumba. Et la sœur Consolade Karumbu Yavu. Consolade Karumbu Yavu. Munaweza kwa ukumbele. Hospitalisation. Pale be hospitalo. Hôpital SNCC. Hôpitalo ya SNCC. Ya la sœur Anine Tumba. Koko dada Anine Tumba. Avion 3 lit 1. Ko pavion 1 3 lit 1. J'informe que le frère Baloji Victor qui était interné à Manikacheville, il est sorti de l'hôpital. Malade à domicile. Frère Kabango Crispin, et au quartier Kilobelobe. Voici ses numéros de contact. 0 15 738 738. Deuxième numéro 0815 0815 0 53 0 53 425 425. Nous avons devant nous des fiancés. Vous pouvez enlever vos masques s'il vous plaît. Nous avons le frère Isaac Chikala Kuba. De Kolwezi. Nous avons la sœur Consolate Karumbu Yavu. La famille est ici à Lubumbashi. La sœur a été baptisée à Kolwezi. Où il était en train d'étudier. Et le mariage se passera ici à Lubumbashi. Parce que les parents de la sœur se trouvent ici à Lubumbashi. Ils sont devant vous, ils sont de Kolwezi. Ont été présentés à l'église de Kolwezi. Et ils seront unis ici à Lubumbashi le samedi 27 mars 2021. Ils sont là, nous vous les présentons. Et vous pouvez regagner vos places. Nous invitons le berger. Annonçons le décès de notre sœur Monga, épouse
de frère Munga, notre diacre. Namonisha kifo ya dada yetu Munga, mke wa ndugu Munga mwikwa shemashi wetu. Elle est décédée ce lundi. Akufa mkazi moya. C'était une maladie. Tu as quoi mon ibugonjwa? Elle a fait ce qu'on appelle l'AVC hémorragique depuis samedi. Afanya AVC hémorragique mposho. La situation était critique. Mambo kwa ya nguvu ya hatari. Le Seigneur a décidé qu'elle rentre à la maison. Na Bwana achukua mpango wa kumrudisha kunyumba. Tout est fait pour l'inhumation. Et Dieu aidant, nous pourrons l'enterrer vendredi. À Katsangiri. Et d'après le programme, nous pourrons quitter la morgue vers 11h. De façon à être à Katsangiri vers 12h. Enfin, d'éviter les embouteillages. Quand on va communiquer les adresses, c'est une période difficile pour l'église. Vous vous rappelez que le dimanche passé, on a annoncé à PP 10. Lundi déjà, lundi matin, un frère m'appelait pour m'annoncer de sa fille. Le soir, c'était le frère Munga. À peu près 12 deuils. C'est pas facile de les gérer. Soyez indulgents avec les diacres. Il y a des gens qui envoient des messages très méchants. Je n'ai vu aucun diacre, aucun ancien. Où est l'amour? Ça, c'est une méchanceté, ça. Mettez-vous à notre place. Nous avons des problèmes qu'on ne peut pas vous expliquer. On ne peut pas tout vous dire. Ça, c'est compliqué. Nous nous partageons. Je ne peux pas aller à tous les deux. Les diacres ne peuvent pas aller partout. On sait pas. Si deux ou trois viennent, ça suffit déjà. C'est pas difficile. Soyez indulgents. Les diacres sont vos frères. Ce n'est pas facile. Je crois que chacun a compris. Soyez indulgents à notre égard. N'envoyez pas de messages méchants. L'amour n'est pas dans l'enterrement. L'amour est dans nos cœurs. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Mais en tant comme nous sommes limités, Dieu lui est partout. Nous sommes des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate kumbariki. Ah oui, ça va. Il y a aussi notre frère Muia. Que vous avez connu il y a longtemps. Ah. Un frère qui a cheminé avec nous pendant longtemps. Hein, il y a eu des problèmes de parole de Dieu. Il a pris sa voix. Mais nous sommes des hommes. Il est ici là à Lubumbashi. Il fut pasteur de l'assemblée de Sakanya. Je ne sais pas, il est mort ici à Lubumbashi. Quand il était à l'hôpital, on allait le voir de temps en temps. Quand il était à l'hôpital, on allait le voir. Je ne sais pas si vous avez le problème de la d'inhumation. Ah, on va annoncer ça. Consoler sa femme, ça fait toujours du bien. Ah, ça fait partie de la vie chrétienne. Celui qui souffre, il a droit à la consolation. On va annoncer tout ça. Merci. Accenti. Nous sommes dans les communiqués de deuil. Je viens de vous annoncer la mort de la sœur Chantal. Chantal Munga. Femme du diacre Munga Kalonda. On a mis la photo, on peut la reprendre. La sœur est là. Dada yo ule.
Le jour de l'enterrement, c'est le vendredi, comme notre deuxième est venu le dire. Et voici l'adresse du deuil. Sur l'avenue Kafubu, numéro 9, quartier Penga Penga. Si vous êtes à la cité Jekamine, la dernière avenue où il y a des maisons Jekamine, il est balabala ya mwisho kukuma nyumba ya Jekamine, avenue Tenke. Anaita avenue Tenke. Remonter vers le haut. On a aimé dans les avenues quelque part, c'est là où il y a l'avenue Kafubu. Après la Jekamine, c'est le côté Penga Penga qui commence à droite. Jekamine, ngambo ya kume, ndio quartier Penga Penga. C'est tout près de l'habitation du diacre Momak. Il y a un autre deuil aussi. Nous avions communiqué dimanche. Le beau-père et père du frère Kabeya et de la sœur Marie. Baba na baba et de la sœur Annie Mwepu. Baba na baba muko ya ndugu Kabeya na dada Annie Mwepu. Le programme maintenant est sorti parce que ce jour-là, on avait dit que ce sera communiqué à une date ultérieure. L'inhumation aura lieu jeudi, c'est-à-dire demain. Le corps est gardé à la morgue de maternité Katuba. Il sera enterré à Kasangiri. Le corps téléphone du frère Abéa. 0815 051 939. Pour le frère Mouya, le deuil est organisé chez son fils. D'aller vers le campus, arriver au niveau de l'église de Saint-Paul, l'église catholique Saint-Paul, d'être sur l'avenue Changalele, la route asphaltée qui passe devant l'église. Vous prenez cette avenue à votre droite, il y a une courbure. Lors de la courbure, il y a une route en prolongement, une route non asphaltée. Prenez cette avenue. Oui, la première avenue à gauche. Il est avenue à Kwanza Kushoto. À votre droite, la deuxième parcelle, c'est là où il y a deuil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le programme de l'inhumation. Quelqu'un a le programme de l'inhumation. Que nous avons là, oui, il y a un frère qui est dans le programme. Veux parler au diacre là, il va nous informer. Donc on a ouvert cette semaine à Tajulisha. Attendons le diacre Patrick qui vient donner la suite. Nous vous informons qu'aujourd'hui, nous avons enterré le frère Clément Sampassa et le diacre de Malimbankulu. Le frère Jean-Marie de Malimbankulu a été enterré aujourd'hui. Comment sont les jours de l'enterrement depuis que nous avons commencé? Lundi, il y a eu enterrement. Que le frère là te dise. Dit que l'enterrement est prévu pour demain. Mon frère, veuillez nous rappeler où est le corps. Le corps est gardé à quelle morgue? Vous pouvez parler à votre voix là-bas. Parlez à votre voix là où vous êtes. Bon, on va enterrer demain à Kasangiri, mais je ne connais pas l'endroit où vous êtes. Avant. Et le frère était interné à Jekamine Sud. Peut-être le corps est là-bas. Il était à Bombergé. Il est mort malade. Nous croyons que le corps est à la mort de la Jekamine Sud. Nous avons complètement terminé. Venez nombreux demain pour suivre la suite. Allez avec la paix du Seigneur. Thank you.
Oh,